Allez, bonjour et bienvenue à tous en Normandie, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'on a traversé la France, que c'était un petit peu loin quand même, mais on est à Montmartin-sur-Mer dans le club d'Horizon Vertical, club qui organise des championnats de France jeunes de difficulté. Alors les jeunes ont fait un chemin long et vigoureux pour arriver ici. Ça a été des départementaux, régionaux, ensuite qualification, demi-finale, et on retrouve les 8 meilleurs de chaque catégorie pour le titre national et pour le sélectif. Ils sont chauds bouillants, ils sont prêts, ils veulent tout péter, et j'ai intérêt à me dépêcher parce qu'à mon avis, ils vont pas m'attendre. Bienvenue à Montmartin. C'est parti pour du sport et des champions, des sélections. Allez, Alizée Mariotta, hein. Elle est 9e des qualifications, 9e des demi-finales pour le moment. 4e à Cham, 10e l'année dernière des championnats de France. Alizée, ça reste une valeur sûre. Il va falloir qu'elle gère son stress, son angoisse, qu'elle aille quand même assez dynamique dans la voix. Alors pour la voix des cadettes, on a une très belle ligne de fuite sur la droite, sur la partie droite du mur, avec un début de voie qui va être assez classique. Et ensuite, voilà, un passage dans le toit qui va être beaucoup plus athlétique, qui va se jouer un petit peu sur le décryptage des méthodes à faire. Et ensuite, une fin de voie beaucoup plus énergétique, beaucoup plus physique, beaucoup plus sélective. Et voilà, je pense que les premières finalistes vont se jouer dans la partie haute de la voie. Alors, ça a été chaud bouillant. Là, tu viens de nous énoncer la voix des cadettes. Une cotation, si on pouvait donner une petite cotation, on sait qu'on aime ça généralement. Sur les cadets, je pense qu'on est sur un niveau 8A à peu près. Allez, la réunion! Est-ce qu'elle va avoir la puissance de la sortir, cette voix? Elle était à Voiron la semaine dernière, Elma. Elle en a mangé de la voix de vitesse. Allez, le public pour Louane. Elle a besoin de vous, Louane. Allez! Allez Louane, allez, accroche-toi. Elle n'a pas été vénarde sur les compétitions à chaque fois, Clara, mais elle a à Rion, elle avait envoyé, mais elle a le potentiel de prendre n'importe quel podium à tout moment. Il va falloir qu'elle accélère parce qu'elle n'aura plus de force après. Elle va se faire piéger dans la résie. On peut l'applaudir, terminé malheureusement. Allez, je la vois plus là, c'est à vous de jouer pour Léna. Et ça tient toujours. Elle est facile, on peut l'applaudir. Oriane Favrin, là ça se passe plutôt pas mal. Elle s'en rapproche, Léna, elle s'en rapproche. Allez, Léna, lâche rien. Allez, un coup à blanc, deux coups à blanc. Et applaudissements pour Léna Gros-Piron. Elle a un bon état d'esprit, Marie-Sara. Allez, le public, s'il vous plaît. Ça joue la finale et ça joue la première place. Et là, il est temps
d'accueillir la petite nouvelle dans l'équipe de France, la nouvelle entraîneur. Et ça a fait du bien d'avoir internet du sang féminin aux commandes de l'équipe de France jeune de DIF. C'est Cécile Avezou. Alors déjà, bienvenue. Est-ce que tu es heureuse de te retrouver entraîneur national? Vu que chez les jeunes, il y avait plein de motivation, plein de jeunes qui s'entraînaient et il y a plein de choses à leur apprendre, à leur transmettre. Donc oui, je suis ravie d'être entraîneur national. Alors là, c'est important parce que c'est les championnats de France. C'est aussi le sélectif et le sélectif, c'est carrément super important. Donc je voulais rappeler quand même à tous les gens sur internet qu'on ne fasse pas d'erreur. Il y a déjà 5 sélectionnés. C'est alors Salomé Romain et Julia Chenourdi, évidemment. En junior qu'on retrouvera sûrement aussi peut-être en senior. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a Léo Ferreira qui est sélectionné d'office. Il doit y avoir Parmentier, Hugo Cacartandé et puis et Arsène Duval. Voilà, les gens un peu qui ont ramené des médailles un peu l'année dernière. Sinon, comment ça va se passer pour le sélectif? Suite aux résultats de cette compétition, on aura notre liste des sélectionnés pour les prochaines étapes de Coupe d'Europe. Donc la règle du jeu, ce sera de faire un podium sur cette compétition et après on prendra 4 jeunes par catégorie et on complétera ce podium avec les résultats qui ont eu lieu à la compétition à la Coupe de France de Rion. Et du côté des cadets garçons, on fait rentrer Nao Monchois, le grimpeur d'entretemps. Allez, Nao Monchois. Allez, Nao Monchois qui... Nao Monchois, troisième l'année dernière. Allez, est-ce qu'il peut terminer champion de France? Il a le niveau, Nao. Et alors, Hugo Parmentier... Bah, c'est le meilleur grimpeur qu'on ait vu depuis très longtemps hein, quand même. Hein. Il est à l'aise. Il a été sélectionné en bloc. Il va être sélectionné. Il est sélectionné en diff. Le jour où il se met à la vitesse, je suis sûr qu'il fait mal. Alors Matteo sur un jour, sur un gros jour, franchement, voilà, c'est une machine. Lui aussi, il est un petit peu tombé dans la marmite en étant petit. Grosse famille de grimpeurs. Et allez, on va voir si Théo Ravanello va être capable de prendre le sommet de la compétition. Allez, ça passe. Ça passe pour Damien. Il est redoutable, Damien. Lui aussi peut nous surprendre avec une belle prestation. Ah, il plaisante pas, Gauquelin. Et il est puissant, Tom Gauquelin. C'est un cadet avec un physique de junior. Oh là là. Eh oui, applaudissements pour... Tom Gauquelin qui en termine. Allez Arsène, allez. Allez, est-ce qu'il va sortir la voix Arsène Duval? Et de l'autre côté, il y a Camille Roux. Et il est bien parti Arsène, il est très très bien parti. Regardez Matteo Laporte, lui, il n'a qu'une seule envie. Allez, allez Matteo, c'est d'aller sortir la voix. Il n'y a que ça qui compte pour Matteo. Lui, c'est même pas de battre les autres, c'est juste d'aller sortir la voix. C'est vraiment le vrai esprit de la grimpe. Et là, là, il va accélérer, Hugo Parmentier, allez! Junior fille, donc c'est la voie orange qui est au centre du mur. Donc là, ça va être un long, long voyage. Cette voie a été ouverte par Laurent Laporte, donc il a fait parler toute son expérience sur cette voie-là. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben, il va falloir avoir beaucoup de continuité. Il y a pas mal de mouvements de prise de risque et l'effort va durer très longtemps. Donc pareil, je pense que ça va se jouer. Ça va jouer sur la partie haute du mur pour les premières. Il y a quand même quelques passages dans le bas de la voie qui vont sélectionner quelques-unes. Et voilà, ça je pense que ça va être une voie où
tout va se jouer à n'importe quel endroit. T'as une super belle équipe d'ouvreurs quand même avec toi là. T'as du génie, t'es le plus jeune, t'es le chef. T'as énormément d'expérience, mais quand même, je me retrouve avec Laporte, Chalourdi, Dédé. Ça fait du bien quoi, c'était une belle semaine. Ouais, effectivement, c'est des ouvreurs qui ont beaucoup d'expérience, avec qui, pour certains, je n'avais jamais ouvert avec eux. Laurent, je le connais quand même depuis quelques temps. Je pense que ça se ressent sur l'ouverture et sur les voies qui sont proposées. Il y a quand même, on essaye de se creuser la cervelle pour proposer des choses toujours nouvelles, toujours inédites. Et depuis le début de la compétition, je pense que les voies ont été appréciées par les grimpeurs, par le public. Et j'espère qu'on aura rempli la mission sur ces voies de finale et que le spectacle sera au rendez-vous. Je voudrais une ovation pour Salomé. Ah! I don't really know where you're feeling right now, but it's fun to see you run in the wrong direction. I know that you love things that don't make sense. When the body understands what you do. Yeah.